أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc ce petit rappel par rapport à l'importance de la prière. Comme vous le savez, la prière c'est le deuxième pilier de la religion musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé par l'ange Gabriel concernant les cinq piliers de la pratique musulmane, le premier c'est la foi, c'est l'attestation de la foi, et le deuxième qui vient juste après, c'est les cinq prières que le musulman et la musulmane doivent faire. Donc l'importance, la prière a une importance capitale, c'est l'acte le plus important dans la vie religieuse d'un musulman. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de prendre soin de nos prières. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin » Prenez soin, soyez assidus dans vos prières d'une manière générale et notamment la prière médiane. La prière médiane, selon certains savants, c'est Salat al-Asr, d'autres Salat al-Fajr. Et donc ça nous montre un peu l'importance de la prière. Il y a un autre élément qui nous montre l'importance de la prière, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux autres obligations, la prière est la seule obligation qui a été demandée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le ciel. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté lors de l'ascension et le voyage nocturne, il est monté dans le ciel, et c'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposé 50 prières, comme vous le savez. C'est-à-dire que, puisque Allah nous a imposé 50 prières, c'est un signe de la part de Dieu pour nous dire que votre vie doit être prière. Parce que si on prie 50 prières par jour, toute la journée, on est en train de prier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a allégés par l'intermédiaire de Moussa alayhi salam, qui a donné des conseils au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas hésité à revenir voir son Seigneur pour lui demander d'alléger. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit donc 5 prières par jour qui jalonnent un peu notre journée et notre nuit et pour nous mettre toujours dans cette ambiance d'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il disait à Moïse « Wa aqim salata li dhikri » et prie pour m'avoir dans ton esprit, prie pour te rappeler de moi. Donc l'objectif principal de la prière, c'est de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la négligence de la prière. Il dit dans un hadith Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Le pacte que nous avons avec eux est la prière, celui qui la délaisse est kafar. Kafar, c'est quelque chose de très très fort, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui nie l'obligation de la prière n'est plus musulman. Certes, celui qui ne prie pas pour des raisons qui sont autres que la négation, la conviction, reste musulman selon la majorité des savants, mais il est dans la zone rouge du grand danger. Et comme vous le savez, ça nous montre beaucoup l'importance de la prière, c'est le fait que c'est la seule obligation que le musulman n'arrête jamais, quelle que soit la situation. Vous êtes malade, il y a une manière de faire la prière pour les malades. Vous êtes en voyage, vous priez, il y a une manière de faire la prière pendant le voyage. Vous êtes en guerre, il y a la prière de l'harb, en guerre carrément, l'ennemi est devant nous, il y a la prière de l'harb. Ça nous montre quelque chose, c'est que la prière est un acte que le musulman ne peut pas laisser. Parce que c'est son lien permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu délaisses la prière, si tu ne pries pas, tu t'éloignes petit à petit de Dieu jusqu'à que le lien que tu as avec Dieu se coupe complètement et tu auras beaucoup, beaucoup de mal à rattraper. Donc, tous ces événements, tout ce que je viens de dire, nous montrent l'importance de la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une sourate que vous connaissez tous, sourate Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu ala ta'ami al-miskin,
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur à ceux qui prient tout en négligeant leur prière, tout en donnant sans donner de l'importance à la prière. Imaginez, si Allah dit malheur à ceux qui prient sans donner de l'importance à la prière, qu'est-ce que Allah aurait dit concernant, Allah ne les cite même pas ceux qui ne font pas la prière. Donc ça nous montre à quel point le musulman doit prendre soin de sa prière. Et il doit être vraiment vigilant. C'est notre nourriture spirituelle. La prière dans la journée d'un musulman, c'est sa nourriture spirituelle. S'il délaisse cette nourriture, sa spiritualité va diminuer. Son âme va vraiment ne pas retrouver sa place dans son corps. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prendre soin de nos corps par la nourriture, il nous demande aussi de prendre soin de notre âme par la nourriture de l'âme, qui est la prière, la lecture du Coran, dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Et un musulman doit avoir ces moments. Allah subhanahu wa ta'ala a tellement bien divisé et jalonné les journées par la prière. Il nous a même recommandé, quand la durée entre les deux prières elle est longue, Allah nous a recommandé une prière surérogatoire. Vous avez la prière de dhuha. Pourquoi dhuha? C'est-à-dire que depuis le fajr, jusqu'au dhuhr, il n'y a pas de prière. C'est long pour ceux qui aiment Dieu sincèrement. Ils ne peuvent pas supporter toute une durée, toute une matinée sans adorer Dieu. C'est pour ça que dhuha, c'est salatul awwabin. La prière de ceux qui reviennent vers Dieu, ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne supportent pas toute une matinée sans prier. Donc vers 10 heures, ils font une petite pause. Et la pause, c'est la prière. Et la prière de la nuit. Quand la nuit, elle est longue, donc de Salat al-Isha jusqu'à Salat al-Fajr, c'est long pour eux. Ils sont tellement bien avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils trouvent ça long. Et c'est pour ça qu'ils se lèvent la nuit pour prier. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dans sa vie, une seule nuit, délaissé la prière de la nuit. Jamais. Bon, ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne supportait pas ce vide. D'ailleurs, quand il ordonnait à Bilal d'appeler à la prière, qu'est-ce qu'il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Bilal? Rihna biha, fais-nous reposer par la prière. La prière, c'était son moment de repos. Ce n'est pas pour lui une charge à faire pour s'en débarrasser, malheureusement. Aujourd'hui, on fait la prière, mais plus que la prière pour nous, c'était un fardeau, on le fait uniquement par obligation, ben, je fais la prière pour la finir et dire, ça y est, j'ai prié, j'ai fait mon devoir, un devoir en quelque sorte, juste, voilà, j'ai pointé. Alors que la prière n'a pas ça comme rôle. La prière, c'était le refuge du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a kana ila hazabahu amrun laja'a ila salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait un souci qui le préoccupait, il trouvait son repos et sa réponse et sa sérénité et sa quiétude, il l'a trouvé pendant la prière sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'à chaque fois quand il était stressé, quand il était attristé, quand il lui arrivait des choses, des réactions qui le touchaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se réfugier en quelque sorte pendant la prière. C'est comme pour nous, on est en train de rouler sur l'autoroute et sans prendre de pause, on risque de faire des accidents, on risque de faire beaucoup de mal. Donc il faut considérer la prière comme des moments de questionnement, des moments de repos, des moments de repos pour le corps et des moments de repos pour le nefs. Et donc c'est pour ça qu'il faut soigner sa prière pour qu'elle devienne vraiment un plaisir. La prière, peut-être au début, c'est une obligation, c'est une charge. On le fait par obligation, on fait la prière parce qu'il faut faire la prière, c'est obligatoire. Maintenant, elle doit devenir avec le temps un besoin. C'est-à-dire que si je ne fais pas ma prière, ben, je ne suis pas bien. C'est-à-dire que la prière devient avec le temps un besoin pour l'être humain. Ça, c'est une étape qui est bien, on est en train d'avancer. Mais l'étape recherchée, c'est que la prière devient un plaisir. C'est-à-dire que quand tu es en train de faire ta prière, tu retrouves ton équilibre, tu retrouves ta quiétude, tu te sens bien.
Et le moment de la prière, tu n'es pas en train de te débarrasser de la prière, tu es en train de vivre un moment de joie dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En pensant à ce qu'Allah a dit à Moïse, « Wa aqimis salat al-dhikri, fais ta prière pour m'avoir dans ton esprit. » Donc, ce n'est pas normal aussi, ce n'est pas normal pour un musulman de faire la prière de Allahu Akbar jusqu'à Salamu alaykum sans penser un moment à Dieu. Juste un acte mécanique, Allahu Akbar. On respecte bien les choses, on se prosterne bien, on se s'incline bien. Et après, elle est où l'aspect spirituel de la prière? C'est pour ça qu'il faut essayer avec le temps. Ça, c'est notre devoir à tous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure à une sœur, je lui dis, la prière, en réalité, on l'apprend toute une vie. La prière, c'est pas bon, c'est bon, maintenant je suis très bien, je fais ma prière correctement. C'est toute une vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin de sa vie, la prière pour lui, c'était toujours un champ d'amélioration, d'excellence. Et c'est pour ça que nous, on doit soigner notre prière. C'est pas uniquement soigner l'extérieur, même si soigner l'extérieur, c'est important. Bien sûr, il faut bien se prosterner, il faut bien faire ses ablutions. Il faut surtout respecter les horaires de la prière. Il faut respecter les horaires parce que « Inna salata kanat ala al-mu'minina » Kitaban mawquta, la prière pour les croyants, et kitaban, un ordre, mawquta, bien identifié dans le temps. Donc on doit faire la prière selon, bien sûr, on a certaines situations, nous, musulmans qui vivons en Occident, il y a certaines dérogations, mais on doit quand même donner de l'importance à la prière à l'heure. Quand tu fais la prière à l'heure, ben, tu la fais correctement. Généralement, regardez, vous avez certainement essayé. Vous faites les prières le soir quand vous arrivez chez vous. Est-ce que cette prière, quand vous arrivez chez vous le soir, bâclée, est-ce que ça vous rajoute de la foi? Est-ce que ça vous rajoute de la spiritualité? Est-ce que ça vous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est peut-être même le contraire. Alors que la prière est censée nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des moments. C'est pour ça que quand on fait la prière à l'heure, déjà, on respecte ce qu'Allah nous demande. On est dans les rappels qu'Allah nous demande de faire. On ne s'éloigne pas trop de Dieu, donc on ne passe pas une journée sans penser à Dieu. Et surtout, la chose la plus importante pour nous, c'est que notre prière doit être améliorée par l'apprentissage. On doit apprendre la prière, on doit apprendre les règles de la prière. On doit surtout apprendre le sens de la prière. C'est-à-dire que quand je prie, je suis en communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je suis en train de lire la fête, quand je dis Allahu Akbar, je dois penser, c'est quoi Allahu Akbar en réalité? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et croyez pas que Allahu Akbar a été choisi comme ça par Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer la prière. Parce que nous on dit Allahu Akbar et en réalité on est en train de penser à autre chose. On est en train de donner de l'importance à autre chose. Il y a notre quelque chose qui nous préoccupe, qui est plus grande que Dieu dans notre cœur. C'est pour ça qu'Allahu Akbar c'est un mot qui vient dire attention, tu dis Allahu Akbar, Allah doit être plus grand que la chose à laquelle tu penses. Allahu Akbar. Et en plus, on peut oublier, on va s'incliner, Allahu Akbar, attention, hein, Dieu est grand. Et tu dois revenir à Dieu. Je ne dis pas qu'une prière, on va la commencer en concentration et on finit en concentration. On a tous, et ça c'est humain, j'allais dire, des moments où on pense à autre chose. Mais Allahu Akbar, c'est un rappel. Attention, Allahu Akbar, reviens à Dieu. Au moins, pendant une prière, tu penses à Dieu. Quelquefois, au moins, tu te remets en question. Quand tu lis la Fatiha, ça aussi pour nous francophones, c'est très difficile parce que quand on ne comprend pas ce qu'on dit, quand on lit le Coran, on ne comprend pas le sens, c'est difficile de se concentrer, c'est difficile de penser à ce qu'on est en train de lire. C'est pour ça qu'il faut faire un effort de comprendre au moins les sourates avec lesquelles on prie. Au moins, quand je dis Subhana Rabbi al-A'la, je comprends le sens. Et aussi, pour tout le monde, diversifier les invocations. Il n'y a pas que Subhana Rabbi al-A'la pour le sujoud. Il y a d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque position, il nous a appris 3, 4, 5 manières de dire dua. Et ça serait bien de diversifier. Ce n'est pas toujours, bien sûr, Subhana Rabbi al-A'la, je le dis 3 fois. Et après. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين
Ça, c'est une invocation que le prophète nous a apprise pour le sujoud, pour le recours aussi. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي إيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منحت ولا ينفع ذا الجد منك الجد et d'autres. Je vous donne juste des exemples pour vous dire que si on vit sa prière, si on apprend tout le temps avec la prière, ça serait un champ aussi d'apprentissage et de relations profondes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si moi j'apprends juste le minimum, subhanahu rabbi al-a'la trois fois et je me lève, donc bien sûr quand je suis dans une prière où j'ai pas trop le temps, c'est le minimum, je peux le faire. Mais pour que la prière aussi influence dans notre vie, on doit aussi apprendre autre chose, on doit approfondir notre apprentissage de la prière. Faire la prière en groupe, pour les hommes, faire la prière à la mosquée, pour les femmes au moins, pour le Jumu'ah par exemple. Pour faire la prière en groupe, c'est une, comme vous le savez, la prière en groupe dépasse de 27 fois la prière quand on est tout seul. On a plus de récompenses. Soigner et se concentrer pendant la prière, et ça je vous ai dit aussi tout à l'heure, se concentrer, c'est considérer la prière comme un dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je lis la Fatiha, je suis en train de dialoguer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis subhana rabbi al-a'la wa bihamdi, je dois avoir des pensées de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est dans un environnement aussi qui nous permet de faire ça. Et chaque invocation, chaque mouvement, chaque dua pendant la prière, je dois l'améliorer et je dois l'apprendre plus pour que ma prière soit inshallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, même Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ. La prière, ce n'est pas une affaire personnelle, parce que sans la transmission de la prière, on n'a pas fait notre devoir envers nos enfants. La prière, c'est quelque chose qui se transmet. Et on doit transmettre la prière à nos enfants. Et ce n'est pas uniquement « fais la prière ». La meilleure manière de transmettre, c'est que ton enfant te voit prier. Et pas uniquement te voit prier, mais dans tes gestes et dans ta manière d'agir, tu peux, si la prière a de la place dans ton cœur, sois certain que les enfants vont le... Si l'argent, par exemple, qui occupe la plus grande place dans ton cœur, tes enfants vont le connaître, vont savoir. Si c'est la prière qui occupe la plus grande place, tes enfants vont le savoir. Là, j'allais dire, il n'y a même pas besoin de grands discours. C'est quelle est la place que tu donnes à la prière dans ta vie. Quand toi, c'est lors de la prière, tu es déjà prêt, tu as déjà fait tes ablutions, tu attends la prière, tu as préparé ton tapis. Là, les enfants, avec le temps, ils vont savoir que la prière, c'est quelque chose de très très important parce qu'ils te voient faire. Mais si tu demandes à tes enfants quand ils ont 18 ans, maintenant il faut faire la prière, sinon vous n'êtes pas musulman, sinon... ça n'a pas de sens. Donc la prière se vit en famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il rentre le soir. Le soir, il rentre chez lui. Abdullah ibn Abbas avait l'habitude de dormir chez Maymouna, radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète rentre, et quand il rentre le soir, Abdullah ibn Abbas dormait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Maymouna, radiyallahu anha, est-ce que l'enfant a fait la prière? Regardez, Abdullah ibn Abbas, il ne dormait pas encore, donc il a entendu, c'est lui qui a rapporté le hadith d'ailleurs. Ça l'a tellement, est-ce que l'enfant a fait la prière? Rabbi j'alni muqim as-salati wa min dhurriyati. Dua, donc Sayyidina Ismail faisait toujours dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que je sois parmi les gens qui respectent la prière, qui font la prière régulièrement, qui font la prière correctement, wa min dhurriyati, et parmi ma descendance. Donc voilà juste un petit rappel sur la prière, l'importance de la prière. La chose la plus, la première question que Allah nous demande le jour du jugement dernier, ça concerne la prière. Si la prière elle est bien faite, elle est correcte, on a pris soin de notre prière, on l'a fait à l'heure, on a respecté, on a essayé de respecter la concentration,
On essaie de la faire dans des bonnes conditions, même physiquement. D'accord? Quelqu'un, pendant la prière, ben, il est en train de regarder l'heure. Il pense à ses messages, il pense à autre chose. Ou il est en train de faire des choses, des gestes qui sont... Quand tu le vois, tu dis, est-ce qu'il est en train de vraiment de faire la prière? C'est pour ça que le cœur doit être attaché à Dieu. Mais quand le cœur est attaché à Dieu, le corps, ça se voit aussi dans l'aspect de la prière. Quand quelqu'un fait la prière, même l'aspect de la prière, il est soigné. Donc on doit soigner la forme, et bien sûr le fond est encore plus important que la forme. Inch'Allah, parce que nous soyons, Inch'Allah, parmi les gens qui respectent la prière, qui donnent de l'importance à la prière, qui transmettent cet amour et cette obligation à leurs enfants, et qu'Allah nous aide par la prière, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Inna salata tanha ani al-fahsha'i wa al-munkar » La prière vous préserve de tomber dans le mal et la turpitude et tout ce qui est mauvais. Donc Allah fasse que nous soyons parmi ces gens-là, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.